my boy. For one, they somebody broke my heart. Oh, my parents, I saw the line. Killed by hands, hands down the line. First day, I promise to myself to find them in every place. Cause I couldn't live no more, no more without revenge. There will be no man to stop my just revenge. And I'll be no more a man, if I don't hurt, if I don't kill all them. I can't forget it, for what I saw when I was a boy. Alors, vous ne pouvez rien faire. Morane a la situation bien en main. Non seulement tous ces hommes, mais la moitié de la ville va se déplacer demain pour vous voir pendre. C'est à croire qu'ils sont tous devenus fous. Je vous jure que je suis innocent. Je ne peux pas le prouver, mais c'est vrai. Cette gamine était plus jeune que ma fille. Je sais, Powell, je sais. Mais malheureusement, son cadavre a été découvert sur votre ranch. Vous savez bien qui a tué la petite. Oui, oui, je le sais. Mais ça ne change rien à la situation. Ils veulent votre mort, et en tant que shérif, je dois vous protéger. Si vous croyez à mon innocence, donnez-moi une arme et un cheval pour que je puisse m'enfuir. Non, ils vous retrouveront. Et qui plus est, votre fuite sera pour eux un aveu. Et en admettant que vous leur échappiez, vous devriez vivre comme un proscrit qui prend le maquis. Non, je vais vous aider. Et je ne vois pas 36 solutions, Powell. Écoutez. Et toi aussi, Doc, écoute bien. Morane n'ignore pas que la seule façon de protéger Powell, c'est de demander l'aide du 4e régiment de chevaux légers de Fort Barclay. C'est ce qu'il redoute le plus à l'heure actuelle. Par contre, il ne craint pas que vous preniez la fuite. Parce qu'il sait que je veux que vous soyez jugé. Donc l'essentiel, c'est que Morane parte sur cette fausse piste. Voici mon plan. Doc va nous quitter pour rejoindre Fort Barclay en secret. Quant à nous, on ne va pas moisir ici. Je cacherai Powell dans mon ranch. Tu peux être sûr que la première chose que fera Morane, ce sera d'aller le chercher chez toi. Même s'il vient, il ne trouvera pas Powell. Fais-moi confiance.
Et pendant que la bande à Moran va mettre la maison sans dessus-dessous pour le retrouver, nous attendrons calmement l'arrivée de l'escorte qui accompagne la diligence de Californie. Et je le remettrai Powell pour qu'il passe devant le tribunal de la ville d'El Paso. Donc, nous pourrons prouver l'innocence de Powell en déclarant qu'il a été accusé à tort par Moran qui voulait s'approprier une source qui passait sur les terres de Powell. Et devant ces faits, on verra qui paiera pour le meurtre de cette fillette. Et vous, Powell, vous reviendrez vivre ici avec votre famille, en homme libre. Bon, maintenant, Doc, prépare-toi à partir. Le temps presse. Oui, je sais. Eh bien, bonne chance, Powell. Entre nous, je crois que ce plan doit marcher. Ah, s'il te voit, n'hésite pas à abandonner. Hein. Surtout, ne joue pas les héros. Allez, fais-leur perdre un maximum de temps. D'accord? D'accord. Bonne nuit, Mitchell. On dirait qu'il va à Fort Barclay. Suis-le. Et amène-le à Moran. Powell, nous sommes bien d'accord. Quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai pas prendre la fuite. Un geste. Pose cette arme, Sam. Sinon, je serai obligé de t'arrêter. Un shérif qui laisse partir un prisonnier n'a pas le droit d'arrêter qui que ce soit. Il s'agit d'un transfert de prisonnier. Vous avez 3 secondes pour faire demi-tour. Après, je tire. Ah, c'est fou ce que ma petite fille m'aide bien. Alex, où vas-tu? Je vais avoir besoin de toi. Au revoir, Monsieur Miller. Ne sois pas trop long. Chez vous, Powell. Voilà Moran et sa bande. Shérif, nous sommes venus rechercher Powell. Faites-le sortir. C'est trop tard, Moran. Powell est loin. Il a tué un de vos hommes et il a pris la fuite dans la montagne. Et pourquoi ne l'avez-vous pas suivi? De nuit, c'était inutile. J'ai expédié Doc à Fort Barclay. Lorsqu'il reviendra avec des renforts, nous pourrons faire une battue. Et nous le retrouverons. Doc est avec nous. Il a décidé de changer de camp. Je n'en crois rien. C'est vous qui l'avez fait prisonnier. Vous en répondrez devant la loi. Doc n'est pas mon prisonnier. C'est un de mes hommes. Et quand nous nous serons débarrassés de vous et de Powell, c'est lui qui sera nommé shérif. Doc n'est pas bête. Il a compris que s'il veut devenir quelqu'un, il lui faut être du côté du plus fort. Doc, tu me le paieras, je te le jure. Allez, assez perdu de temps. Je vous laisse 10 secondes. Ou vous vous rendez tous les deux, ou je vous abats, vous et votre famille. Arrêtez. Où allez-vous? J'ai réfléchi. J'accepte de me rendre.
Je vous ai causé assez d'embarras. Vous n'avez pas encore compris que nous sommes tombés dans le traquenard que nous a tendu cette canaille. Moran nous veut tous les deux. Vous parce qu'il vous hait et moi parce que je lui ai mené la vie dure. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il va falloir nous battre, Powell. Nous battre jusqu'à l'arrivée de l'escorte de la diligence. Prenez ce fusil. Mitchell, ma patience a des limites. Les 10 secondes sont écoulées. Continue à tirer pendant que je monte au premier. Je vais les prendre par surprise. Je les veux tous vivants. Je les abattrai de mes propres mains. Calvin, couvre-moi, je vais aller le déloger. Thank you.
Arrêtez. Ne tirez plus. Le feu va faire sortir l'animal de sa tanière. Jetez votre arme, Mitchell. D'accord, Moran. Bien joué. Que comptez-vous faire? J'ai ma réponse toute prête. Je vais tous vous abattre. Mais d'abord, je veux qu'on pende ce salaud de Powell. Et ensuite, c'est vous qui allez payer pour votre entêtement. Vous qui êtes son complice. Vous êtes un assassin, Moran. Tuez-moi, mais épargnez ma famille qui ne mérite pas de partager mon sort. Vous avez bien tué mon fils. Il est mort, l'arme à la main, dans un combat loyal. De toute manière, vous me paierez sa mort. Vous et votre famille. Amenez-moi cet enfant. Non. 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 Maman, maman, Julie. Préparez la corde pour Powell. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mignonne comme un cœur, votre fille. Et votre fils? Où est votre fils, hein? Par chance, il n'est pas rentré. J'espère que lui, au moins, échappera au massacre. Oh, ça m'étonnerait, Mitchell. Faites-moi confiance. Je le retrouverai, lui aussi. C'est prêt! Bon, parfait. Powell, tu vas subir le châtiment que tu mérites. Tu aurais dû savoir qu'on ne se met pas en travers de ma route. Maintenant, tu vas le payer de ta vie. Allez, va! Oh. Comme vous le voyez, shérif, Moran n'a toujours qu'une parole et il la tient. Ceux qui me résistent, je les supprime. Aussi, je vous préviens, si vous tenez à votre peau, il faudra travailler à ma solde. C'est peut-être stupide de ma part. Mais je préfère encore mourir que vivre de cette façon. Alors, changeons de méthode. Mon fils est mort, shérif. Chargez-vous de l'enfant. On va l'emmener avec nous. Venez. Maman! Maman!
Non, mon fils. Pour assurer sa subsistance, il est permis de tuer. Mais Dieu interdit de tuer pour le plaisir d'être cruel. C'est un péché extrêmement grave à ses yeux, mais tu sais tout cela. Alors, viens. Regarde là-bas. Passe-moi la gourde. Pauvre enfant. Qui es-tu? Où habitent tes parents? Marc, dis à ta mère de préparer un grand bol de lait de chèvre avec du miel. Allez, va vite, dépêche-toi. Viens avec nous, mon petit. Non, laisse. Tu n'en auras plus besoin désormais. Chez nous, tu n'auras pas à te servir d'armes. C'était mon père. Seigneur. Il n'a que ça en tête. Son désir de vengeance est la seule chose qui ait de l'importance à ses yeux. Enfin, il faut le comprendre. Marc, apporte-lui une assiette de soupe. Mais reviens ici, immédiatement. Oui, oui. Ça sent bon, maman. Et quand j'ai épousé ta mère, elle ne savait rien faire. Heureusement, ça s'est un peu arrangé depuis. Enfin, faut jamais désespérer. Non, je ne te trouve pas drôle, tu sais. Marc! Nous te remercions, Seigneur, pour ce repas que nous devons à ta bonté. Amen. Va, maintenant. Eh bien, ma femme, mangeons. Je meurs de faim. Voilà, je te sers. Merci. Je t'apporte de la soupe, mon frère. Merci, je n'ai pas faim. Ah, tant pis, en ce cas, c'est moi qui la mangerai. Une double ration, ça se refuse pas. Il faut que je vous quitte, Marc. Tu viens de le décider? Oui, enfin, pas tout à fait. Parce qu'au fond, je l'ai toujours su. Je me suis promis qu'un jour, on entendrait parler de moi à Danger Pass. Il faut que je retrouve l'homme qui a tué mes parents. Mmh. Pour l'assassiner, lui aussi. Je n'en sais rien. Mais si, tu le sais, tu veux te venger. C'est mon devoir de le tuer. Venger la mort de ses propres parents ne me semble pas un crime. Marc, je t'en prie, essaie de me comprendre. Il m'est impossible de faire autrement. Nous autres Quakers, nous refusons la violence sous toutes ses formes. Pour nous, c'est un péché capital. C'est agir contre la volonté du Seigneur. Et je trouve ce précepte d'une grande justice. Écoute, Marc. Je t'en supplie, ne me fais pas de sermon. Pourtant, je ne suis pas de mauvais conseil, crois-moi. Alors, vraiment, tu t'en vas? Oui, ma décision est prise. Quand reviendras-tu? Je reviendrai quand j'aurai retrouvé ma sœur. Je regrette beaucoup d'avoir à vous quitter. Vous m'êtes tous les trois très chers. Vous avez remplacé ma famille. Tes parents sont mes parents. Et toi, tu es mon frère. Il me semble que tu as toujours rêvé de l'avoir. Je te le donne. Garde-le. Adieu, Marc.
crois que c'est là ton devoir, je n'ai pas le droit de m'y opposer, mon fils. Écoute, père, je me dois de l'accompagner. Mais pourquoi? Je l'ignore. Je pense qu'il peut avoir besoin de moi. Abandonner Alex me serait impossible. C'est un frère pour moi. Mais promets-moi alors une chose. Sois fidèle à notre foi. N'use jamais de violence, quelle que soit la situation. Ne sois jamais armé. Je te le promets, père. Que Dieu te protège, Marc. Tu peux être sûr, ta mère et moi, nous prierons pour toi. Adieu, père. Bonjour. Bonjour. Que venez-vous faire chez nous? Vous rendre visite, Johnny Miller. Vous me connaissez? Oui, et si j'ai bonne mémoire, vous deviez m'apprendre à me servir d'un revolver. Alex! Mon Dieu, moi qui te croyais mort et enterré. Ah, c'est Judy, ta sœur qui sera contente de te voir. Je suis revenu spécialement pour elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Comme tu peux l'imaginer, la pauvre fille a souffert. Toi, tu es un homme, Alex. C'est différent. Mais pour une orpheline, la vie est parfois bien difficile. Son enfance a été très dure. Ce qui lui a manqué le plus, c'est une famille. J'aurais voulu l'aider un peu, mais je ne pouvais rien faire, hélas. Dans ce pays, lutter contre Morane, c'est la mort. Elle vit chez les Morane? Oui, et j'ose dire pour son malheur. Mais ne restons pas là, viens manger quelque chose et te reposer. Maintenant que tu es parmi nous, je vais pouvoir t'expliquer la situation. Quoi que tu fasses, sois très prudent et tiens-toi toujours sur tes gardes. Merci du conseil. Est-ce que je peux dormir chez vous? Oh, bien sûr, la question ne se pose pas. Mais tu es ici chez toi et tu le sais. Mais pour être franc, j'ai peur de ne pas pouvoir t'aider comme je le voudrais. Mes mains n'ont certainement plus la même dextérité qu'avant. Merci, Miller. Comment est-ce que je vais faire pour trouver Judy? Je l'amènerai ici demain. Tout à l'heure, j'irai faire un petit tour à Danger Pass. Hé! Arrête ta musiquette! J'en ai assez de ce tapeur qui nous casse les oreilles. Moi, je suis venu entendre chanter Edith! Mais... Pas de rouspétance. Vous savez bien qu'elle viendra. Où est Edith? Elle est dans sa chambre. Elle va descendre. Mon fils est avec elle? Oui, monsieur Moran. Je t'ai engagé pour que tu divertisses ma clientèle. Pas pour batifoler avec mon fils. Descends maintenant. Et tiens-toi le bandit, tu entends? Écoute, je ne l'ai pas beaucoup retardé. Ne te fâche pas, papa. Je ne veux pas que tu t'absentes du bar, c'est compris, Charlie? Tu es ici pour travailler. Ne crois pas que je te paye pour que tu fricotes avec cette garce. Que ce soit bien clair. Je n'aurais pas cru que tu deviendrais un tel fainéant. C'est triste à dire, mais ton frère était autrement mieux. When you see me every time all alone, maybe I'm not so inviting, maybe I'm not so exciting as you. The thrill you're looking for, you think I have no more, no more.
so few things about you. Just a little more together, a little time to work for you and me. Un whisky. Oui, tout de suite, monsieur. Whisky. Pour appeler le shérif. Tu fais tes bagages, tu ne partiras que si je le veux bien. Et je te préviens charitablement, la prochaine fois que tu te laisses tripatouiller par un homme, je te filerai une bonne raclée. Tu n'es qu'un assassin. Oui, tu n'es qu'un misérable assassin. Et je te déteste. Vous témoignez tous que le fils de Moran a tué cet homme en état de légitime défense, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ah, oui, ça, nous l'avons vu. Oui, cet homme l'avait provoqué. On est tous témoins. C'est aussi votre avis? Alors, nous attendons. Je vous parle. Cet homme n'avait pas de revolver. Et maintenant, regardez. Cette fois, il en a un. Ça change tout, shérif. Paye-toi. C'était de la légitime défense. Il faut tous s'incliner devant les Moran. Reste là. Où vas-tu, crétin? Réfléchis avant de t'emballer. Tu ne le connais pas, il faut toujours se méfier d'un inconnu qui arrive au pays. C'est vrai, on ne sait pas à qui on a affaire avec lui. Je vais te le dire, pour moi, c'est un gars qui vient voir Edith. Ce n'est qu'un pauvre type, sans plus. Tu crois? Je suis persuadée qu'ils sont heureux maintenant. Heureux parce que leur fils est revenu à Danger Pass les venger. Je n'en sais rien. Je ne crois guère qu'au ciel, la vengeance terrestre puisse les réjouir.
Qu'est-ce que tu as? Rien. Je pensais à des choses tristes. Allez, viens, Julie. Non. Avant, je veux que tu me donnes ta parole. Et en ces lieux, que nos parents seront vengés. Je pensais ressentir beaucoup de haine, mais je m'aperçois que ta haine est bien plus grande encore. J'attends ce jour depuis des années. Tu ne sais pas ce que ça représente, de laver la vaisselle dans laquelle ils mangent, les verres dans lesquels ils boivent, de faire les lits où ils vont dormir. Rends-toi compte que j'ai dû supporter d'être leur bonne. Toi, mon frère, tu dois pouvoir me comprendre. Sache que je ne retrouverai un semblant de paix que lorsque Morane aura été abattue à mes pieds. Alex, je n'ai vécu que pour le moment où nos pauvres parents seront vengés. Parce que sinon, à quoi bon n'avoir jamais réagi devant toutes ces humiliations? Seul le désir de te voir revenir me soutenait. Tu étais mon unique espoir. Je te comprends, Judy. Tu n'es pas la seule à avoir attendu ce moment. Je connais mon devoir. Merci. Il est temps de vous séparer maintenant. Je vais raccompagner Judy. C'est mieux qu'on ne vous voit pas tous les deux ensemble, ça éveillerait les soupçons. Entendu. Demain, je te retrouverai au ranch, Judy. Je te quitte, j'ai beaucoup de choses à faire. Prends garde à toi, Alex. Ne t'en fais pas pour moi. Au revoir, Alex. À demain, Miller. Au revoir, Judy. Tenez. Merci. Regardez si celui-ci vous convient. Combien coûte-t-il? $10 avec deux boîtes de munitions. Approchez, j'ai un secret à vous confier. Ah oui? Aujourd'hui, bonhomme, mon rêve se réalise. Vous voyez ce fusil, il appartenait autrefois à mon père. Chut. Alors, vous avez fini? J'en ai encore pour 10 minutes. Bob. Bonjour, monsieur Morane. Bonjour. Ce gars, tu sais qui c'est? Non, pas du tout. C'est la première fois que je le vois. Il m'a acheté un fusil qui aurait, paraît-il, appartenu à son père. Un drôle de type. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur Morane. L'honneur, tous ces préparatifs. Il y a une fête? Vous voyez bien que vous n'êtes pas d'ici. Tout le monde sait dans le pays que la fille de Morane doit se marier demain. La fille de Morane? Avec qui? Avec Doc, le shérif. Il y a bien longtemps que nous attendons ce mariage à Danger Pass. Nous en parlons depuis que Gloria a eu ses 8 ans. Morane récompense la fidélité de Doc. Il vaut mieux ne pas insinuer des choses pareilles. Ici, c'est mal vu de dire le fond de sa pensée. Donnez-moi un whisky. Qu'est-ce que tu fais ici, Marc? Je te conseille de quitter cette ville immédiatement. Chacun a bien le droit de faire ce que bon lui semble, non? Je te préviens que si tu me barres la route, je ne me gênerai pas pour te tuer aussi, tu m'as compris? Ça t'étonnera peut-être, mais je n'en crois rien. Vous devez...
devriez vous reposer un peu. Si je ne travaille pas, qui le fera à ma place? À quoi penses-tu? Tu crois que tu y arriveras, Alex? Je vais profiter du mariage de Gloria. Ça me facilitera la tâche. Seulement, où vais-je trouver la dynamite? Pourquoi ne vas-tu pas en acheter? Ça me semble le plus simple. Non, non. Non, je ne veux pas me faire repérer. Je vais la voler cette nuit. J'irai avec toi. Non. Je ne veux pas que tu te mêles de ça. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble, Julie. La pire chose qui puisse arriver est qu'on soupçonne que je suis ton frère. Ça y est, voilà la mariée. Regarde. Ah, c'est magnifique. Bonjour, Doc. Bonjour, Brad. Comme tu es joli, Gloria. Alex! Va-t'en. Je ne te laisserai pas réaliser ton projet. Va-t'en. Non, il ne faut pas faire ça. Ah non. Quand on sait ce qu'ils ont fait à mes parents, c'est une mort que je trouve encore trop douce pour eux. Non, écoute-moi, les coupables sont Moran et Doc, mais les autres sont innocents. Ceux qui ont fermé les yeux autrefois sont coupables au même titre que ceux qui ont commis ces deux meurtres. Ton père lui-même me l'a dit. Non. Ne fais pas ça. Si, rien au monde ne m'en empêchera. Je ne te laisserai pas le faire. La religion t'interdit formellement de faire usage d'une arme, quelle que soit la situation. Tu oublies les plus simples préceptes. Si c'est pour sauver ces gens, je n'hésiterai pas à tirer. Je serai obligé de te tuer, Alex, si tu t'obstines à vouloir faire tout exploser.
comme il te plaira. Oh non, Alex, tu as perdu la raison. C'est un acte monstrueux. Si tu ne renonces pas à ton projet, je mourrai avec les autres. Et j'ai le bonheur de vous déclarer unis par les liens du mariage. Vive les mariés ! Félicitations. Merci. Silence ! Silence ! Avant de nous mettre à table, buvons tous à la santé du jeune couple. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur le juge. Mais il me semble que nous avons nous aussi bien mérité de boire quelque chose. Ça alors, c'est la meilleure. C'est la vérité. Oh, regardez la pièce montée, elle est superbe. Oh, le dessert. Oh, bravo. Bravo. Laissez-moi entrer, je veux être de la fête. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous n'êtes pas invité, monsieur. Je vous dis que je veux entrer. Non, il n'en est pas question. Et pourquoi ne pourrais-je pas lever mon verre à la santé des jeunes mariés? J'ai dit non. Rien qu'un petit verre, faites pas le méchant. Allons, tout est permis aujourd'hui. Faites-le rentrer. Mais mettez-le dehors quand il aura bu le coup. Bon, maintenant Edith va nous chanter une de ses chansons préférées. À la bonne heure. Tout le monde t'écoute, Edith. Je veux un whisky. Eh bien, je vais vous chanter une vieille chanson que j'aime beaucoup et qui vient de mon Irlande. Elle vous portera bonheur. Je vous le souhaite. Et à votre santé. Maintenant, vous allez ouvrir le bal avec moi. Je vous fais tous mes compliments, mademoiselle. Vous chantez. Vous n'auriez pas le toupet de tirer sur un pauvre ivrogne. Posez votre revolver et battons-nous comme de vrais hommes à la loyale. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'avez quand même pas peur de moi, n'est-ce pas?
D'accord. Ce sera un divertissement supplémentaire pour les invités de la noce. Enlève-moi ça. Laisse-le-moi. Je m'occuperai de ce salaud moi-même. Très bien. Battu. Votre fils ignorait que j'allais le battre. Vous êtes le père d'un fils idiot. En revanche, la fille est belle. C'est pourquoi je vous remercie d'avoir accepté de m'accueillir parmi vous. Je vous en suis très reconnaissant. C'est une journée que je n'oublierai jamais. Adieu, monsieur Moran. Jette ce pistolet! Petite garce, pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu voulu le protéger? Alors, pas! Oui, maintenant je peux tout vous dire. Ça fait 12 ans que je ne vis que pour le moment où je pourrais vous dire ce que je pense de vous et de votre famille. Aujourd'hui, ce que j'ai tant espéré va enfin se réaliser. J'aurai ma vengeance. Le moment de payer est venu. Tout le monde au pays souhaite vous voir mort. Pourquoi ne dites-vous pas à vous autres? Je sais qu'ils ont peur de vous, mais moi je ne tremble pas devant vous. Je vais vous crier mon dégoût. Je veux vous crier ma haine. Vous entendez? Ma haine. J'ai eu le bonheur d'avoir vu votre père abattu comme une bête devant moi. Sa mort est ma récompense. Maintenant je me sens payée de toutes ces années atroces où j'ai été votre servante. De toutes ces années pendant lesquelles j'ai dû supporter vos humiliations. Je vous hais, je vous hais, je vous hais. Sale garce. Je vais vous dire qui est cet homme à présent. C'est Alex, mon frère. Seul mon frère désirait la mort de votre père avec le même acharnement que moi. Je vous ai dit la vérité. Peu m'importe que vous vouliez me tuer. Je me moque de tout maintenant, de tout, puisque j'ai été vengée. Vous pouvez me tuer.
Oui, tuez-moi. Tuez-moi. Je ne vais pas te tuer. Non. J'ai encore besoin de toi, vivante. Surtout depuis que tu m'as fait découvrir que cet homme que tu voulais sauver était ton frère. Et si parmi vous, il y a des amis de cette crapule, qu'ils aillent l'avertir. Je lui donne 24 heures pour se présenter chez moi, mais sans armes. Sinon, je te fouetterai à mort pour sa punition. Et si aucun d'entre vous n'a le courage de le prévenir, tant pis. Tu mourras sous le fouet. Emmenez-la. Voilà quelqu'un. Toi, reste là. Al, qui cherches-tu par ici? Un certain Alex. Alex? J'ignore de qui tu veux parler. Et toi, qui es-tu? C'est mon frère, Miller. Et depuis quand as-tu un frère? Bien, c'est le fils de l'homme qui m'a élevé. Il va y avoir bientôt 12 ans que Marc et moi, on se connaît. Marc, descends de ton cheval et explique-nous pourquoi tu es venu. Tu n'es qu'un crétin. Allez, dis-nous la vérité. Tu es venu pour nous faire un petit sermon, hein? Voyez-vous, Marc est Quaker pratiquant, il adore prêcher. Et Marc, je suis satisfait. Très satisfait. Moran vient d'être tué, et tué par son propre fils. C'est ça, la véritable justice divine. Tais-toi. Alex a bien raison d'être heureux de la mort de Moran. Et je suis sûr que tout le monde à Danger Pass s'en réjouit aussi. Car si Moran est mort de cette manière, ce n'est que justice. Je t'avais averti. La violence engendre le mal, le meurtre et la mort. Alex, c'est au tour de Charlie de vouloir se venger. Encore faut-il pouvoir. Il essaiera. Et il sera impitoyable. Tu ignores peut-être qu'il a fouetté ta pauvre sœur devant tout le village. Judy, pourquoi? Qui a dit à Charlie que j'étais son frère? C'est toi qui le lui as dit? Non. C'est elle qui en a parlé. Charlie ne pense qu'à venger la mort de son père. Et il a menacé de fouetter ta sœur à mort si tu ne te présentais pas chez lui aujourd'hui. Et non armé. Sans armes, ce serait une folie de sa part. Oui. Tu es placé devant un choix douloureux. Je crois au contraire que je n'ai pas le choix. Alex, j'ai parlé de ton affaire avec les hommes du pays. Ils seraient disposés à t'aider. Non, ma sœur serait déjà morte 100 fois. Et toi, mon frère, n'as-tu pas une suggestion à me faire? C'est maintenant que j'aurais besoin de conseils et non de sermons à l'eau de rose. En fait, j'ai bien une idée qui pourrait peut-être marcher. Ce Charlie, il a une sœur, lui aussi. Eh bien, s'il nous était possible de l'enlever, elle pourrait servir de monnaie d'échange contre Judy. C'est magnifique. Tu viens d'avoir une idée lumineuse. Oui. Oui, c'est sûrement la solution à tous nos ennuis. Tu peux compter sur moi. Mais attention, à une seule condition. Un instant. Je refuse toutes tes conditions et je ne veux pas de ton aide. Mais merci de ta bonne idée. Tu respecteras cette fille, n'est-ce pas, Alex? Elle, elle ne t'a rien fait. Elle n'a rien à voir dans le meurtre de ton père et de ta mère. D'accord. Sois sans crainte. J'en prends note. Je ne veux que libérer Judy. Tu crois vraiment y arriver seul? Je te trouve bien optimiste. Doc n'est pas fou. Il a sûrement mis des hommes de garde. Il a des raisons de se méfier de toi. Toi, tu vas aller au pays et cherche à découvrir où ils ont pu cacher Judy. Mais ne t'en fais surtout pas pour moi. Tu oublies une chose. C'est la nuit de noces de Doc. Thank you.
Bonsoir, Alex. Tu en as mis du temps pour venir. Entre nous, ce n'est pas très sympathique de ta part. Tu sais très bien que ce soir, c'est ma nuit de noces. Préparer la corde pour qu'on pende ce pauvre idiot. Tu me croyais naïf au point de ne pas penser que tu viendrais chez moi durant cette nuit. Pour m'enlever ma femme et l'échanger contre Judy. Seulement, tu as mal calculé ton coup. Emmenez-le. Je le regrette pour toi, Alex, mais tu n'as jamais eu beaucoup de chance. Allez, pas tant de discours, dépêche-toi. Arrêtez! Si tu aimes ta femme, libère immédiatement Alex. Je te donne 10 secondes. Après, je tire. Alors, Doc? Il faut dire que ça donne à réfléchir. Risquer d'être privé d'une aussi belle petite femme. Je n'attends plus. Tu t'es décidé? Relâche-le. C'est bon. Libérez-le. Au fond, je n'ai pas toujours autant de déveine que tu veux bien le dire. Ton exécution n'est que remise à plus tard, Alex. Nous sommes maintenant deux à vouloir ta mort. Marc, amène les chevaux. Quant à toi, Doc, j'attends seulement que tu fasses un geste pour te faire sauter la cervelle. Madame, préparez-vous. Nous allons faire un petit voyage ensemble. Attention, Alex! Pourquoi ne veux-tu pas dormir, Marc? J'ai le temps.
Va dormir, toi. Je veillerai sur la prisonnière. Non, je préfère le faire moi-même. Et en plus, je dois parler à Miller. Il va venir me voir. Alors, je te tiens compagnie. Tu m'en donnes un peu, Alex? Toi qui n'as jamais bu? Ça me réchauffera un peu. Il fait un froid de loup. Je t'ai dit que j'avais le temps. Mais dis-moi, tu me surveilles, hein? C'est bien ça. Je veux rester seul avec elle. Et pourquoi? Son père a fouetté ma sœur Judy au visage. Et son frère l'a battu au fouet devant toute la ville. Alex, je t'interdis de lui faire du mal, tu entends? Je ne veux rien entendre. Je t'en prie, surtout, ne fais pas de bêtises. Va-t'en! Écoute-moi, Alex. Cette fille n'a fait de mal ni à toi ni à Judy. Tu n'as pas le droit de faire ça. La violence engendre la violence et le sang appelle le sang. La paix! Je veux ma vengeance! Nul n'a le droit de faire soi-même la justice, et tu le sais. Si je t'aide, c'est pour sauver ta pauvre sœur. Un point, c'est tout. Tu en parles à ton aise. Cette affaire me regarde moi! Et je veux lui faire subir le sort de ma sœur. Non, je ne te le permettrai pas! Non! Je t'en supplie, va-t'en, ne me pousse pas à bout, Marc. Je ne voudrais pas te faire de mal. Alors, laisse-la. C'est la seule solution. Va-t'en!
Il est là, dehors. Mes félicitations pour ton acte de bravoure de la nuit dernière. Tu as prouvé que tu avais du cran. En abattant tous ces hommes désarmés. Rien de tout cela n'est vrai. C'était plutôt la spécialité de celui que tu as tué hier. Tu sais, je n'oublierai jamais le jour où il a tué ma mère. Que cherches-tu ici? Ma sœur. Tu penses vraiment que tu vas la retrouver? Oui, je sais même que c'est toi qui vas me la rendre. En échange de quoi? De qui? De Gloria. Alex, tu ne comprends rien à la situation. Il y en a un qui commande ici, c'est moi, parce que je suis le plus fort. Oui, Gloria? Détrompe-toi, je comprends parfaitement la situation. Et contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas le plus fort. Alors, voici mes conditions. Si tu refuses de me rendre ma sœur Judy, Gloria mourra. Un whisky. Bon, très bien. J'accepte de te remettre Judy contre Gloria. Et après, on se battra en duel. Oui, mais j'ai encore une condition. Ah bon, laquelle? L'échange des otages aura lieu dans la rue, afin que toute la population puisse en être témoin. Et je ne te rendrai Gloria que si ma sœur est loin d'ici, à l'abri. Et si je refuse d'en passer par ces conditions, Judy mourrait aussi, tu es d'accord? Moi, je ne manque jamais à ma parole. Alors, que décides-tu? Ah, très bien. D'accord comme ça. Retrouvons-nous dans une heure. Tu veux que je le suive? Inutile. Va au ranch avertir les autres et dis-leur que je vous attends tous ici. Nous lui donnerons une petite réception à notre façon. Nous avons une heure devant nous. Eh bien, allons. Va, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends? Gloria, vite! Attendre votre frère, il est capable de faire une crise de nerfs. Je n'ai pas la moindre confiance en cette ordure de Charlie. Je sais qu'il nous mijote un tour à sa façon. Qu'il essaie. Nous avons tout de même des amis. Tout est prêt? Ne t'en fais pas pour ça. S'il a l'intention de nous jouer un sale tour, il le paiera cher. Merci, Miller. J'ai confiance en toi. Vous êtes belle. Très belle. Quel dommage qu'il y ait tout ce sang versé entre nous. Mais ce n'est rien. Vous verrez que sous peu, le sang coulera encore. Marc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut que je ramène Gloria à Danger Pass. Je l'ai promis. Non, Alex. Tu tomberas dans l'embuscade de Charlie. Ces hommes vont t'abattre en route. Non, ne pars pas. Mais non, et pour l'amour du ciel, laisse-moi faire. Je suis certain de réussir. Alex. Quoi encore? Avant que tu partes, je veux obtenir ton pardon. C'est bon, je te pardonne. Ce n'était rien. Non, je ne parle pas de nos querelles, mais de ce que j'ai décidé de faire. Je ne comprends pas un mot de ce que tu me racontes. Voilà.
Je connais mon frère. Ce sera la volonté du Seigneur. N'y allez pas, Marc. Il vous tuera. Je sais. Désormais, il est trop tard. Amène-toi, Alex. Tu aurais peur? Tu as l'air d'oublier notre marché. Détache-la. T'en aller. Ne posez pas de questions. Prenez le chariot et allez à la ferme de Miller. Vous retrouverez votre frère là-bas. Je dois rester ici. C'est toi qui fais les passes besognes? Ce cher Alex a donc eu peur de venir au dernier moment? Non, Charlie, je suis le seul à avoir eu peur. Peur que tu continues à faire couler le sang de pauvres gens. N'es-tu pas écœuré de tout ce sang? La violence n'engendre que la violence, tout cela n'est qu'un cercle vicieux. Alex est mon frère adoptif. Je savais trop bien que tu essaierais de l'abattre à l'instant même où il aurait libéré Gloria. C'est pourquoi j'ai préféré venir à sa place. Je t'en prie, Charlie, jette ton pistolet. Tu as retrouvé ta sœur. Et Alex et Judy vont quitter Danger Pass. Écoute-moi bien. Je sais ce que j'ai à faire, alors pas de serment. Je suis un Quaker et ma religion condamne toute forme de violence. Ça te regarde? Mais moi, je n'ai pas de religion. Donne-lui une arme. Non, défends-toi. Inutile, Charlie. Je n'en ferai pas usage. C'est ce que tu crois. Je vais peut-être t'obliger à t'en servir. Charlie! Allons, du grand. Prends ce pistolet. Et prouve que tu es un homme. Allons, tu ne veux pas tirer? Je te préviens que tu n'as pas le choix, vu la situation. Si tu refuses de te défendre, dis-toi que ça ne m'empêchera pas de te truffer de plomb, jusqu'à ce que tu en crèves. Fais ta prière, pauvre idiot! Va au ranch, je viendrai te chercher plus tard. Ne va pas à Danger Pass, Alex. Ils t'ont tendu une embuscade. Non, ne t'en fais pas pour moi. Miller ne va pas tarder à venir avec ses hommes et moi, je n'ai pas le droit de laisser Marc. Allez! Agis selon ta conscience, Charlie. Moi, j'agis selon mes principes religieux. Mes mains sont incapables de tenir une arme. Écoute, ma patience a tout de même des limites. Charlie, je t'avertis que si jamais tes hommes interviennent, je te mets une balle dans la tête et je t'assure que ça suffira. Je trouve ton petit jeu particulièrement intéressant. Et franchement, j'aimerais bien y jouer aussi avec toi. Même si on ne m'y a pas invité.
N'importe qui d'autre que moi aurait déjà abattu le porc que tu es. Mais je veux te donner la possibilité d'un combat loyal. Ramasse ce pistolet. Qu'attends-tu pour te battre, lâche? Tu as peur, hein, Charlie? Ramasse-le, je t'ai dit. Ton père a toujours refusé de faire preuve de pitié envers qui que ce soit. Cette fois, l'heure de la vengeance est venue. Regardez comme il tremble, votre glorieux patron. Essaie de te dominer. Thank you.
my boy. But one day somebody broke my heart. Oh, my parents, I saw the light. Killed by hands, hands without name. That day, I promised to myself to find them in every place. Cause I couldn't live no more, no more without you. There will be no man to stop.